souffle langue en baisse ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée perturbée, hein, des nuages, de la pluie, une température extérieure à 15-16 degrés, une température de l'eau à un petit 17 degrés, elle est devenue toute marron. Une marée qui est en train de descendre, le plein bas est à midi 35, les coefficients de 98, le vent est présent avec un secteur plein ouest, il y a 4 à Saint-Beaufort, il y a des bons moutons, et une grosse houle longue avec en seconde de période une houle orientée ouest-nord-ouest qui a mis les bancs de sable en vrac parce que là ça ressemble à rien ce matin. Bon, ça change pas grand-chose, mais bon, c'est multipique en vrac et un déferlement régulier à 2,50 et sur les scieries longues à venir, il y a quand même un bon 3,50 m copieux en vrac. Bon, c'est pas de surf et pas d'action. Évolution pour le reste de la journée, le train de houle va s'amortir en fin de journée, le vent va se calmer, mais pour le surf, ça va pas être évident. On a une érosion qui est quand même assez marquée. Regardez comparé à hier, là-bas au sud, commence à attaquer juste derrière les rochers. On a la voie Arcachon qui est à la baisse à 4,10 m et 7 secondes. On attend à 13h 3 mètres à 3,50 m. Houle ouest-nord-ouest en seconde de période. Vent d'ouest qui se calme 3,4 Beaufort et à 17h 3 mètres. Houle ouest-nord-ouest en seconde de période. Vent ouest-sud-ouest 3,4 Beaufort. Des conditions complicadas aujourd'hui. Prochain point à 11h 30. À tout à l'heure. Merci.